Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur la chaîne. Mais ça y est, pour ceux qui me suivaient un peu en live sur Summoner War, etc. J'avais plus ou moins prévenu que j'attendais un jeu. On m'a parlé d'un jeu il y a plusieurs mois. Et j'ai reçu un accès créateur pour ce jeu, pour pouvoir le tester. Donc c'est un playtest qui va nous permettre de voir, de pouvoir tester, de voir à quoi ressemble le jeu et remonter les éventuels problèmes avant une sortie officielle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est accessible en préinscription actuellement sur iOS, Android et PC. On pourra tout jouer ensemble avec toutes les plateformes, logiquement, c'est ce qui est prévu. Dans la description, je vous mettrai un lien, donc mon lien, si ça vous intéresse de vous inscrire sur la préinscription. Sinon, vous l'aurez sur Discord. Donc, Tarisland, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Tarisland? Donc, je viens de commencer. Je vous ai déjà fait quelques gameplays de donjons d'histoire, tout ça. Je vais essayer de faire un maximum de gameplay. Mais là, on va parler du début. Donc, Tarisland se veut comme un MMO RPG. Donc, on va avoir plusieurs classes. Regardez-moi ça. Donc, on aura le guerrier tank dégâts mêlés. Vous avez toutes les infos qu'il faut sur la droite, maniabilité, importance de groupe, et les tanks peuvent gagner des bonus de compagnie de donjon. Moi, je suis parti, bien évidemment, sur le bon gros badass combattant barbare. Donc, tank dégâts mêlés, maniabilité 4 étoiles et importance de groupe très important. Alors, on va pas se mentir, il y a ceux qui vont être à fond dans les donjons élites, etc. Et qui vont vouloir plus ou moins avoir le lead. Donc, ça sera intéressant de prendre des personnages qui sont importants dans le groupe. Et à ceux qui vont vouloir faire leur jeu de leur côté, qui vont vouloir faire leur petite vie. Et là, dans ce cas-là, vous verrez, il y a des personnages qui sont moins importants, mais qui sont jouables hein, tout de même, mais qui sont moins importants dans les donjons. Là, on va passer sur la mage. Donc, vous avez maniabilité 4 étoiles, importance du groupe 3. Donc on est déjà en train de descendre. Forcément, en haut, on était sur les tanks. Donc c'est beaucoup plus important dans une game. Le paladin qu'on a eu au début, importance du groupe 5 étoiles, maniabilité 3, tank dégâts mêlés. Donc on a 3 tanks actuellement. Il va y en avoir pour tous les goûts, hein. Là, on est sur la prêtre. Donc, dégâts guérisseurs à distance. Maniabilité 3 étoiles, très important dans les donjons pour le soin. Là, c'est l'équivalent de la classe voleur, plus ou moins. Épéiste de l'ombre. Donc, très maniable. Très maniable ou. Alors, je sais pas si plus il y a d'étoiles, plus c'est compliqué ou moins. Je sais pas dans quel sens ils l'ont pris. Et importance du groupe, on est sur du 3 étoiles. Alors ça c'est stylé parce que là, vous pouvez avoir normalement un petit monstre avec vous. Ça va plaire aux gens. Le ranger, donc j'imagine que c'est l'équivalent du chasseur. Maniabilité 4 étoiles, importance du groupe 3. C'est une classe que je pourrais éventuellement jouer quand le jeu sera sorti. Là pour l'instant, pour les tests, j'ai pris un tank, mais ça peut être une classe qui peut m'intéresser. Archer distance avec un petit animal de compagnie, ça peut être bien stylé.
Là, on a la nécrofantôme. Donc, on est sur du dégât guérisseur à distance. Maniabilité 3 étoiles, importance du groupe 5. Et pour finir, le dernier personnage. Sur le barde. Alors, maniabilité 4 étoiles et importance du groupe 5 étoiles, dégâts guérisseur à distance. Donc, vous avez vu, on est plus ou moins sur du guérisseur, dégâts, tank. C'est un peu mélangé, on va dire. Tout va dépendre sur quoi vous avez envie de jouer. Donc, moi perso, je suis parti sur le combattant barbare. Donc, voilà. C'est mon petit combattant barbare. Et on va vite fait aller en jeu. Pour vous montrer deux trois petites choses. Donc là, on est actuellement, comme je l'ai précisé, sur une playtest accessible que pour les créateurs de contenu. Donc tout ce que vous voyez là, on est tous logiquement des créateurs de contenu. Alors le ping en haut, vous faites pas attention, c'est parce que c'est un serveur qui a été fait exprès pour ça, donc il n'y a qu'un seul salon, qu'un seul serveur et qui est hébergé très loin de moi. Mais quand le jeu sortira, il y aura d'autres serveurs. Là c'est juste qu'il n'y a qu'un seul serveur, j'ai dû prendre celui-là, pas trop de choix. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on est sur un MMORPG. Alors malgré qu'il y a la version mobile, je ne l'ai pas testé sur mobile. Moi j'ai demandé la version PC parce que ça ne m'intéressait pas la version mobile. Je sais pas si sur la version mobile ça sera accessible. Du moins sur la version PC, vous n'avez pas. Vous voyez, j'ai beau cliquer, voilà, il va pas y avoir d'automatique du je cours tout seul vers la zone ou de je vais faire mes combats en automatique. Non, non, vous êtes vraiment sur un MMO où vous appuyez vos touches. Vous voyez, tac, tac, tac. Voilà, vous avez vos trucs. Bim. Voilà, j'ai personne sur qui sauter, mais voilà, vous avez compris. Vous allez avoir votre petit sac à dos. Donc, on connaît, je vais pas dire, à quoi ça peut ressembler. On va dire que ça ressemble à des MMORPG parmi tant d'autres. Donc, vous aurez différents sacs. Ah, ça, il me l'avait pas équipé avant, vous voyez. Allez, équipé, nickel. Donc, vous aurez différents sacs de différentes grandeurs. Possibilité de mettre plusieurs sacs. On a connu ça. Dans le personnage, vous aurez tout ce qui est apparence. Il y aura des petites tenues d'après ce que je vois. Ça sera sans doute des skins d'armes aussi. Voilà. Vous avez les attributs. Donc là, vous pouvez voir ce que vous avez équipé sur vous. La réputation. Donc la réputation qui va vous permettre de gagner des pièces et d'acheter des choses, on y reviendra. Les titres. Donc là, Messie de la tribu de Tatar. Au niveau développement, on va avoir les compétences. Nos petites compétences, on peut les améliorer pour taper plus fort. Attention, cette touche est traître. Parce que vous savez pas combien d'argent vous allez investir dedans. Donc attention. Vous avez vos talents. Là j'ai des points de talent à ajouter d'ailleurs en parlant de ça. Donc voilà, vous regardez hein, où ça peut être intéressant de les mettre. Au début, après vers la fin, je pense que vous les aurez à peu près partout. Compétences ultimes. Et recommander. Donc pour l'instant, comme dit, hein, j'ai à peine quelques heures. Même pas quelques heures. Hein, j'ai peut-être deux heures et demie. Fallait attendre que le serveur il ouvre, tout ça. Félicitations, vous avez débloqué le système de pierres inscrites. Donc on peut l'activer, voilà. Ces des nœuds d'attributs sont déjà bloqués, vous pouvez les améliorer. En tout cas, j'étais pressé. Qui sorte. Il n'est pas encore sorti, mais je peux au moins le tester. Là, j'ai ça. Appuie pour récupérer, voilà, nickel.
Donc, un système de quête là sur le côté, hein, ça on connaît aussi. Hein. Alors là, vous avez le mode pour les donjons. Voilà, pour aller faire des donjons et gagner du stuff. Exploration, donc on a nos quêtes. Voilà. Les succès. Apparemment, on en a fait. On en a fait quelques-uns. Ouais, on peut l'équiper, ça fait plaisir. Hop, hop. Alors, pour l'instant, il se veut gratuit. Logiquement, d'après les infos qu'on aurait, il serait gratuit et il resterait gratuit. Pour le moment, vous avez un codec aussi, parce que vous allez pouvoir trouver plusieurs choses dans les zones où vous êtes, des genres de parchemins, de livres, de trucs comme ça. Le social, guilde, équipe, ami, message. Donc les gars, on va pouvoir faire une guilde. Donc si vous êtes intéressé, vous aimez les MMO, eh ben vous savez quoi faire, les amis. Là, on a un petit event qui dure 7 jours pour avoir cette monture là. Super badass, horse, c'est un genre de robot. Voilà. Là on a un pass de combat, donc que j'ai débloqué entre temps. Comme dit, hein, je continue à débloquer des choses, parce que je viens vraiment juste de commencer, les amis. Donc voilà, j'imagine que c'est quoi, c'est un pass de combat ou c'est des... Non, c'est peut-être juste des quêtes journalières, je sais pas. Ça doit être journalier, j'imagine. Là, je vous fais vraiment... c'est la vidéo du début. C'est... Je découvre au fur et à mesure. Et je vous montre, voilà, ça peut être très intéressant. Et ici, on a l'hôtel de vente, alors. Donc voilà, donc on est sur un MMO. Et ça fait hyper plaisir. Un MMO que vous allez pouvoir trouver sur mobile pour ceux qui n'ont pas de PC. Sur PC, ils demandent pas énormément. Moi, j'ai pas l'impression qu'il fasse souffrir mon ordi non plus en réalité. Mais ouais, ça fait plaisir de revoir un MMO à l'ancienne, sans automatique, sans machin. Ça fait hyper plaisir. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vous mets les liens de préinscription et les liens créateurs dans la description. Vous pourrez les trouver sur Discord aussi. Si ça vous intéresse, si vous avez envie d'essayer ou si vous avez carrément envie de jouer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous n'êtes pas sur le Discord, vous rejoignez le Discord. Vous venez me mettre un petit message ou voilà, vous vous préinscrivez. Quand le jeu sortira, et ben ça sera parti pour se faire des petites games ensemble. En tout cas, restez à l'affût, parce que je vais vous sortir pas mal de vidéos, étant donné que c'est un playtest, il va pas être illimité non plus. Donc je vais essayer de vous mettre un max de contenu sur la semaine à venir là. Et comme ça pourra vous donner une petite idée de ce qu'il en est. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, des bisous. Ciao, ciao.